Salut, c'est moi, Goku. Tu es bien sur la chaîne de Newek. Et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Newek, on se retrouve aujourd'hui pour le showcase de ce mec-là. Non, le mec qui est ici, là. Le Broly Ultra. Je ne l'ai que 8 étoiles. Alors, je dis que. Il y en a qui, déjà, juste s'ils l'avaient, ils étaient contents. Ils seraient contents. Plutôt. Bon, moi, je l'ai 8 étoiles. J'aurais bien voulu l'avoir 10, mais voilà, il n'est pas tombé. Donc, je ne vais pas refaire l'analyse du personnage, puisque je l'ai déjà faite. Donc, on va aller faire un premier showcase dans une team un peu particulière que je ne pense pas que tu aies vu souvent. Donc, c'est une sorte de. Purple, jaune, en fusion. Donc, comme tu peux le voir, bah, il prend 3 cap Z Zenkai. Il prend la cap Z de Vegito SSJ à 14 étoiles qui donne des HP. Hein. J'ai mis le Vegito violet rouge free to play pour lui donner des bonus d'attaque et de défense puisque c'est un gros personnage défensif, donc. Et au niveau du kit, je lui ai mis un kit plutôt défensif aussi. Donc, normalement, ça devrait quand même pas mal tanker. Hein. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer rapidement les équipements parce que je suis pas allé, mais je vais te montrer les équipements. Donc, ça, c'est un équipement qui donne de la défense, de la regen de force et des HP, comme tu peux le voir. Celui-là, il donne des dégâts d'ulti, des dégâts de l'aspect, de la regen de force et de la défense, comme tu peux le voir. Et celui-là donne de l'attaque physique, de la défense et de la regen de force. Hein, parce que rappelons qu'il se soigne 10% de ses PV à chaque fois qu'il rentre en scène, 20% sur le main et 4 fois 15% quand sa jauge unique est utilisée. Donc, j'ai pas encore tourner les games, hein, donc on va aller faire ça tout de suite et j'espère que les games seront plaisantes pour toi. Allez, on y va. Allez, première game ici, on tombe contre une team SSJ, voilà, une team SSJ, c'est la classique. Donc on va aller voir, on va commencer comme ça, j'aime bien commencer comme ça, parce qu'en plus il a une cover spéciale, hein, je te le rappelle. Donc allez, on est parti comme ça et comme tu peux le voir, je suis pas loin des 2700 bonnes parties. Il est possible que je prenne cher, hein, parce que c'est la team SSJ, et la team SSJ, elle est faite pour crit. Hein. Il a très bien joué. N'oublions pas que je peux commenter avec l'aspect ici. Hein. Ah, là, il a l'anti-cover maintenant. Donc là, je suis niqué. Je suis niqué, mais attends. La jauge unique, elle va être chargée. J'ai plus de cartes. Ah, c'est magnifique. Il l'utilise vraiment au bon moment. Ok, donc là, pour l'instant, ça commence assez mal pour moi. Hein. On va pas se mentir ici. Par contre, ça lag. Hein. Je te le dis, ça lag plutôt beaucoup pour moi, là. Donc, c'est pas agréable. Bon, là, il peut pas ramener Gogeta Ultra. Normalement, hein. Normalement, il peut pas la ramener encore. J'aimerais bien qu'il le ramène maintenant. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Qu'il le ramène maintenant. C'est magnifique. Comme ça, on va pouvoir. En termes de dégâts, quand même. Il fait quand même plutôt des bons dégâts. Hein. Bon, là, sur l'ulti, il est mort. Hein, sauf s'il switch. Hein. Ok. Donc là, sur le switch, il n'y a plus les dégâts d'affinité. Hein. Enfin, il n'a plus l'affinité, en fait, hein, pendant 5 timers. Hein. Donc, quand même, évanouissement. Magnifique. On va essayer de le terminer ici avant qu'il y ait plus l'affinité. Bah maintenant c'est terminé. Hein. Voilà. On va en profiter pour Rising ici. Comme quoi l'évanouissement, ça m'a vraiment servi. Hein. En plus il lag comme un porc. Hein. Donc là comme tu peux voir l'évanouissement ça m'a vraiment servi. Hein. Et en plus au-delà de ça je lui ai fait mal. Pff, oh qui nique. Hein. Voilà, je vais rester poli. Hein.
Bon, le fait qu'il lag, ça m'a permis d'anticiper ça, hein. Bon, c'est pas moi qui lag, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est pas moi qui lag, hein, ici, hein. Il fait mal, hein. Même lui, hein, n'empêche, hein. Alors, attention. Là, je peux enchaîner derrière. Oh là là, tu vois, ça a bug. Alors attention, j'ai pas utilisé mes covers là. J'ai pas utilisé de cover, hein. Je crois que c'est ma première, hein. Elle arrive assez tard quand même dans la partie, hein. Bon alors, est-ce que c'est lui qui va finir la game? Magnifique. Dommage que je peux juste pas enchaîner avec. Il attend, hein. Il attend, voilà. Voilà, un attentiste. Un attentiste. Bon, je sais pas quoi te dire, hein, sur le fait que ce soit un attentiste, hein. Oh, c'est magnifique, je suis contre. Alors ça, ça c'est bien, ça lui fera la... ça lui fera les pieds, hein. Bon, allez, il est mort, hein. Bon, hein, Brolic a fait quand même un bon taf offensif, un bon taf défensif. Donc, clairement, je suis content, de la game. Par contre, je suis pas sûr qu'il me mette une bonne partie. Parce que, bah, il a perdu. Et que quand tu perds, bah, généralement, tu rages. Donc, on se retrouve, tout de suite pour la deuxième game. Donc là, on se retrouve face à une team movie. Bon, le mec a pas couleur en face. Donc, c'est une team movie un peu moins forte. Le Ryuken risque de prendre cher quand même. Donc, bon, on va voir ça tout de suite, hein. Rappelons quand même que sur sa jauge unique, il baisse le ki de l'adversaire. Alors attends. Laisse-moi, je vais me concentrer. Il va pouvoir. Ok, c'est magnifique. Il a quoi en face? Bah, il va pas le ramener. Bon là, c'est le moment où il faut que je cover ici. Enfin que faut. Bon, de toute façon, il a une anti-cover deux fois. Par contre, avec lui, il a pas d'anti-cover. Bon, il va ramener le... Je la fais maintenant. Je la fais maintenant parce que quand il switch, il enlève les dégâts d'affinité, enfin l'affinité. Donc peut-être que je vais pouvoir le tuer, hein. Non, il tank. Non, son tapion il tank, hein. Son tapion il tank, hein. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Il a vraiment même plutôt bien tanké, hein. À mon avis, il a dû lui mettre des équipements défensifs. Bon, je la tente. Je la tente. Et elle est passée, hein. T'as vu comment il tank en face ou pas? J'ai récupéré mon esquive ici. Non, ça passe pas, ça. Oh, quoique, ça passe. Bah, le Ryuken, il est mort, hein. Le Ryuken, il est mort, hein. Avec l'ultime. Ouais, bah voilà. Écoute, bon, le Broly a pas forcément brillé. Je vais quand même laisser la game parce qu'elle était intéressante. Mais bon, la team, clairement, elle fait mal. Elle fait mal. Même si, comment il s'appelle, le Vegito Ultra ici, il profite pas de tous les boosts parce que les personnages qui sont sur le banc ne sont pas tous fusion. Mais bon, il a quand même des boosts intéressants. Allez, on se retrouve tout de suite pour la prochaine game. Alors, on est ici face à une team fusion. Avec Migaté quand même. Il aurait dû mettre Migaté en leader, hein, en vrai. Hein. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bon, on commence tous les deux avec Vegito Ultra. Il aurait pas dû esquiver ici. Hein, parce qu'il aurait
Parce que sinon, il aurait, comment dire... Alors attention, Migaté. Alors on va voir ce que Migaté... Migaté est fragile quand même, hein. Bon, j'ai pas eu le temps d'enchaîner... De beaucoup enchaîner Migaté. Bon, il a pas d'anti-cover encore ici. Vu que tout à l'heure, il s'est foiré. Et qu'il a esquivé. Là, il a pas esquivé, tu vois. On va voir ce que ça fait ici. Il ramène Migaté. Migaté va prendre cher, je pense. Hein. Ouais, quand même. Ok. Il fait quand même mal, hein, quand même, le Broly. Hein. Mais... Ok. Ok. Spé. La spé, ça fait un moment. Il en a utilisé qu'une seule avec... avec Gogeta. Ok, c'est la strike. Il n'en avait pas utilisé une autre. Bon bref, peu importe. On s'en fout. Il campe. J'avais appuyé sur Rising en plus, mais bon, ça a pas fonctionné. Là, non. Ah, je pensais que j'aurais le temps. Bon, après, il vient me debuff, j'ai pas grand chose, hein. Là il a plus les dégâts, lui il a, bah, il enlève l'affinité pendant 30 timers je crois. Ah c'est 30, je suis pas sûr. Donc on va voir, en cover je prends combien. Je prends cher quand même, hein. Il a récupéré son esquive ici. Ok. C'est bien. Là j'ai pas les dégâts, j'ai pas l'affinité pendant 5 timers. Donc là le rising que je lui place, bah c'est en neutre. Je pense que c'est en neutre, hein. Oh putain, mais quel fils de... Je vais rester poli. Rien que pour ça, il mérite un stun. Pour ça, il mérite un stun. Hein? Allez, le stun. Eh ben non, il n'y a pas de stun. Sinon, c'est trop simple. Là, franchement, le contre, enfin, le fait que je me fasse contrer le Rising, ça me met dans la merde. Hein. Mais ça me met clairement dans la merde. Hein. Bon, là, ça va, le Migaté. J'allais dire, il a pas beaucoup de PV. Mais maintenant, oui, il en a. Hein. Il va m'emmener le Végéta Ultra là, je pense. Hein. Ah, quoique non. Il va laisser crever son Gogeta 4. Très bien. Moi, ça me va. Moi, honnêtement, ça me va. Il m'a ce Broly Ultra derrière. Il attendait que ça. Mais quel chien. Quel chien. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Non, mais ça, enfin. Je me lâche un peu, mais c'est un chien parce que. Le mec, il attend qu'une seule chose, c'est que j'attaque, en fait. Tu vois, ça, c'est le type de joueur passif que t'as pas envie de rencontrer, en fait. Pas de côté, allez, tiens. Tu sais quoi, tu vas te prendre une spé dans la gueule. Tu vas faire moins le malin. C'est pas grave, je tank ici. J'ai ma résiste au KO, hein. De toute façon. Bon, alors, en plus, de toute façon... C'est pas grave. Regarde. Même s'il esquive, c'est pas grave. Derrière, j'ai de quoi le gérer avec le Broly. Je le gère avec le Broly, donc. Ou même avec lui, hein. Il me tape attaque ou pas? Même pas. Allez. Je le termine ou pas avec le Broly? Je vais être obligé de rising ici. C'est pas grave. Oh là là, j'espère qu'il va pas me contrer encore une fois. J'espère juste qu'il va pas me contrer. J'avais que des strikes en plus. Oh alléluia. Alléluia, il m'a pas contré. Le premier contre, il m'a mis dans la merde. Bon. Il a quand même cogné un peu.
Il a quand même... Bon, ça sent qu'il manque un petit peu d'étoiles. À 10 étoiles, ça aurait été mieux. Mais on... Oh, il tank. Il tank. Alors là, clairement, ça, on peut pas lui enlever sa tankiness. Pourtant, c'est pas un type défense, hein. Végéto Ultra, c'est un type défense. Lui, c'est pas un type défense, hein. C'est un type physique. Donc, allez, on se retrouve tout de suite pour la quatrième, au final, game, hein, parce que la... l'autre, c'était une demi. Non, pour la troisième game et demi. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve avec une team... alors... ennemi puissant, mais bon, le Jiren il sert à rien, il y a juste, je pense qu'il va jouer avec couleur, le Taxiborg et le Végéto Ultra, mais normalement, hein, je suis quand même censé l'exploser, normalement, on va voir ça tout de suite, surtout qu'au niveau des équipements, même lui, hein, c'était pas trop ça, hein. Mais bon, si c'est un putain de campeur ou un lagueur. 952. Ok, il prend l'avantage. Y a pas de problème. Sur l'aspect. La cover. La cover sur l'aspect est magnifique. Il y a juste une cover. Ok, il a bien joué, tiens. Tu vois. Le break cover, il l'a bien géré ici. J'aimerais bien tirer une verte ici. Mais bon, je vais tirer qu'une seule carte. Là maintenant. J'ai l'anti-cover pendant 10 timers. Ah, par contre, je pensais pas tirer une verte ici. Deuxième cover que j'utilise ici. Voilà, maintenant le Broly il a plus de cover. Hein. Le Broly il a peu de cover ici. Donc ça faut le noter, hein. Bon, on va voir, il tank, hein. Bon, en face, j'avoue, il est que 2 étoiles. Alors j'ai vraiment eu de la chance là. Il a fait la tempo de trop en fait. Voilà, il est mort, hein. À moins que... Non, ok. On va voir, est-ce qu'il va ramener le Broly? J'ai envie de voir le. S'il ramène le Broly, je veux voir à quel point il tank en face. À quel point moi je mets des dégâts et à quel point lui il tank aussi, hein. Stun? Pas de stun. Waouh. Il a pris cher. Par contre, son ulti, au-delà d'être simple, elle fait ultra mal. Hein. Elle fait vraiment mal, hein. Bon, là, il est finito, hein. Là, le mec, il est finito, hein. Il aura beau faire ce qu'il veut. Enfin, là clairement, il joue bien. Hein. Mais étoile plus équipement font la différence, hein, clairement. Hein. On va finir avec le Broly, hein. Non, il fait mal. Bon, il est que 2 étoiles en face, hein, mais il fait mal, quand même. Hein. Non, franchement, il fait mal. Y a rien à dire. Ah, dommage que sa pose de victoire elle soit simple aussi. Tout est simple sur le perso, je trouve. En tout cas, voilà les amis. J'espère que ce premier showcase du personnage vous aura plu. Parce que vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Allez, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.